town for a couple of days on business. It was a short trip, so why not spend a few days in style? Your keys, just as you ordered, are best suited with an excellent view in the latest biological defense system. You know, things have to get better before they get worse, I guess. I just had no idea how bad. Houston, New Europe, please remain calm and stay inside. Turn on your home biological defense system and if you have known, directly proceed to the nearest biohazard shelter, women and children. Dear guests, please do not leave your rooms. I rushed to the phone. I tried everything. Police, 911, even hotel service. Something terrible was going on outside. When the screaming ceased, all I heard was satisfied, hungry growling, and the sound of flesh being torn apart. And then, I was hungry, and eventually went outside. It was hell. But I'd rather be killed by a mutant than slowly starve to death. I still have hope. I'll make it out of here. Et bonjour à tous, c'est Dimway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo découverte sur la chaîne sur le jeu Sky Hill, sorti le 6 octobre dernier. Je joue actuellement à la version PC, donc on est sur un roguelike. Qui dit roguelike dit mourir en série pour comprendre ensuite les mécanismes en espérant un jour pouvoir s'échapper. Donc on est actuellement au 100e étage dans la suite VIP qui va nous servir de base principale et qui nous a permis d'échapper au nuage radioactif et donc de ne pas être transformé. Et donc pour vous présenter un petit peu comment ça fonctionne, vous avez ici l'inventaire, à l'intérieur duquel vous avez tout un système similaire à ce qu'on peut retrouver dans les RPG, donc des points de compétences qu'on va pouvoir améliorer, comme la force qui va nous améliorer la chance de coups critiques et les dégâts bruts qu'on fera avec notre arme, la vitesse qui va augmenter le nombre de fois où on va jouer à chaque tour, la dextérité qui va nous permettre d'esquiver les attaques des ennemis et la précision, comme son nom l'indique, qui va nous permettre de taper plus précisément. Vous verrez parce qu'il y a pas mal de... Vous verrez parce qu'il y a beaucoup de pourcentages dans le jeu, donc c'est vachement sympa. Donc vous avez ici l'inventaire où vous allez récolter les différents matériaux que vous trouverez dans chacune des pièces des étages de l'hôtel. En bas, vous avez les armes l'arme principale et à côté l'arme secondaire qui sert à rien, qui fait joli, mais qu'on prend quand même avec nous. Dans le sens où quand on va se taper, on va utiliser qu'une seule arme. Et donc la secondaire, en général, tu prends l'arme qui tape le plus fort, t'as pas besoin de changer, tu vois. Et comme pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait des armes à distance, c'est pour ça que je vous dis que la deuxième, à mon avis, l'utilité, pas terrible. Hein. Vous avez ici la santé, qu'on trouve ici également, et vous avez juste en dessous la faim. Alors, je vais terminer ça, ensuite je vais vous expliquer par rapport à la fin. Et à droite, vous avez le système de craft, donc craft très simple, très bien foutu. Ici les recettes, hein. Donc je veux crafter un stylet, je clique dessus, ça m'annonce les matériaux qu'il va me falloir. Donc quand c'est rouge, c'est que c'est la merde, je l'ai pas, faut que j'en trouve. Et donc vous avez tout ce qui est armes, donc il y a quand même pas mal de trucs. Vous avez la nourriture, pas mal de recettes également. Tout ce qui est soins, donc on va pouvoir faire des bandages, des petites trousses, des grandes trousses. Des antidotes également, puisqu'on peut se faire empoisonner par les bestioles. Vous avez tout ce qui est autre, alors ça c'est plutôt l'outillage, donc les engrenages, les fils électriques, etc. Et enfin, vous avez suite VIP, donc en gros, là, ça va vous permettre d'améliorer la cuisine que vous avez dans votre suite VIP, de blinder les portes, d'améliorer le lit et d'améliorer l'établi. Voilà. Donc juste pour vous dire, c'est important de se focaliser très rapidement là-dessus, notamment vis-à-vis de la cuisine, puisque dès que vous améliorez la cuisine, vous débloquez des nouvelles recettes. Il faut savoir une chose dans le jeu, c'est que vous pouvez très bien ne tomber que sur des ingrédients, des fruits ou légumes, etc. Par exemple, qui ne seront utilisables ou craftables qu'avec des trucs débloquables ici, tu vois, en tout dernier. Donc le truc, tu peux pas y accéder, quoi. Donc c'est important de débloquer le plus de recettes possible pour avoir le choix. Donc voilà pour la présentation de l'inventaire. Alors ensuite, donc là on est dans notre suite VIP, donc on retrouve l'inventaire ici, hein, cliquable. On a ici l'ascenseur, donc ça c'est super important puisqu'on va descendre, on aura des ascenseurs qui déconneront. Par exemple, si ici l'ascenseur marche pas, ici non plus, ça veut dire que dans la pièce en dessous ou celle encore plus bas, il va falloir que j'aille réparer celui d'après. Et plus tu descends, plus c'est la hesse, plus c'est la misère, plus les monstres sont forts, plus ça devient compliqué. Donc voilà.
Donc l'ascenseur, très important, puisque c'est ce qui va nous permettre de faire des allers-retours, parce que je vous rappelle qu'il y a 100 étages à la maison pour crafter des trucs. Vous avez le lit juste à côté qui va nous permettre de nous reposer, évidemment. Et pour ce faire, on utilisera des points de faim pour pouvoir dormir. Alors il faut savoir une chose, c'est que pendant la nuit, on a la possibilité de se faire attaquer. Enfin, pas vraiment se faire attaquer, mais en tout cas, les gens peuvent venir nous piquer de la bouffe qu'on s'est fait chier à cuire, à trouver, etc. Et pour ça, en fait, dans l'inventaire, dans les trucs que vous pouvez améliorer, ça c'est un petit conseil, dans les suites VIP, vous avez ici porte. Donc voilà, vous améliorez en fait juste le blindage de votre porte, et donc vous réduisez les chances d'avoir des ennuis pendant votre sommeil. Donc voilà, donc on va attaquer. On va descendre dans la première salle. Chaque salle qu'on découvre, même si on revient en arrière, etc., on perd un point de faim systématiquement. Chaque fois qu'on utilise l'ascenseur, on en perd deux. Donc c'est important de ne pas aller n'importe où. Un petit message par terre. Oui, d'accord, tant que j'ai pas répondu, me lâche pas, je voulais vous présenter un autre truc à côté. Alors il dit, nous nous retrouvons au 91e paradis et tu renaîtras dans ta pureté primale. 14-2. Ok. Donc, on retient, 91e étage, on risque de trouver des trucs. Alors j'ai peur que ça soit une porte verrouillée, parce que vous avez des portes verrouillées par des clés et par des systèmes de cartes. Alors les petits icônes, les petits yeux ici, donc c'est pour symboliser le fait que vous avez un truc récupérable à l'intérieur. Même vide, vous n'êtes pas obligé de l'activer, mais je vous conseille quand même de le faire, parce que déjà on trouve pas grand chose, donc il manque plus que t'ailles dans une salle et que... En fait, t'es comme ça sinon, tu vois. T'es comme un couillon à cliquer partout, en espérant trouver un truc, quoi. Donc je vous conseille de l'activer. Je joue actuellement en mode facile, tout simplement parce qu'à partir du mode normal, ça devient très très punitif, et là c'est vraiment une vidéo découverte. Je vais vous présenter les bases du jeu, pour que vous puissiez ensuite, si vous le souhaitez, choper le jeu et y jouer de votre côté. Vous avez ici... When it all started. Voilà, ferme ta gueule. Un système de cassettes audio que vous pourrez récupérer à gauche, à droite, qui vous donneront un petit background, un petit fond d'histoire de Perry Jackson, je crois, il s'appelle comme ça. Attendez, c'est quoi son blaze? Perry Jason, excusez-moi. Allez, on progresse. Ok, on a récupéré de la ferraille, ça c'est la chose la plus importante que vous aurez l'occasion de trouver à chaque fois. Et on arrive sur notre premier fight. Alors vous avez deux manières de vous taper. Putain, je suis à main nue. Attends, 2-3, 3-7. Oh putain, 2-3 au bâton quoi, mon pote. Oh, c'est chaud. Vous avez en haut à droite également la vie, la santé de la créature. Et donc, oh, putain, il me saoule son cri. On a deux manières de se taper. Soit on se tape en mode comme ça avec la cible. Et dans ce cas-là, si je tape, ça va taper n'importe comment. Soit on passe en mode expertise. Et là, si je clique, j'ai trois choix. Donc, plus... les chances de toucher seront faibles, plus les dégâts seront importants, évidemment, mais Non ! Ah, j'ai pas le choix, faut que je me tape. Attendez, je regarde un peu mon inventaire, là. Donc là, il va me falloir du fil. Et là, il va me falloir une planche en plus. En fait, je suis en train de regarder si j'ai pas de possibilité de crafter un truc un peu mieux que mon bâton. Parce que là, vous voyez, au niveau des dégâts, je tapais à 1. Il a 17 points, ça veut dire que je vais prendre tarif. Et non, je peux pas. Ce qu'on va faire, c'est que... on va partir sur le 80%, putain. Ne vous tapez jamais en main nue, les gars, si vous pouvez éviter. D'autant que là, en fait, j'ai des petites compétences particulières que je me suis rajoutées. Parce que, en fait, j'ai fait une partie en mode facile. La première fois, je suis mort niveau 20. Enfin, au 20e étage, donc j'avais quand même parcouru les trois quarts du bazar. Et du coup, j'avais débloqué des points de compétences. Donc ceux que je me suis attribué, c'est important de le faire, hein. Je me suis fait plaisir. J'ai pris saccage, donc ça me permet de taper toujours le premier, ce que j'ai fait là. Et j'ai pris également une petite trousse de secours qui va me redonner 50 points de santé dans les moments de galère. En fait, j'ai pas de possibilité d'aller dans les salles à côté, sinon je me serais barré, tu vois. Oh là 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 là. Un combat des plus intéressants. Oh non, mais je rate. Attends, mais comment je peux rater? Je suis à main nue, les gars. Putain. Ah non, mais j'ai jamais eu un start. Un départ aussi mauvais, quoi. Donc, chaque créature qu'on abat lâche ou pas un truc. Ah, super, merci. Cimère les poivrons pourris, quoi. Donc, dans la nourriture que vous allez récolter, vous allez récolter du beurre, du lait, etc., mais aussi des fruits pourris. Le problème, c'est que si vous les utilisez comme c'est marqué là, vous avez 50% de chance d'être empoisonné et de perdre un petit peu de points de santé. Alors,
en général. On est tellement en galère de faim que perdre un peu de points de santé, on s'en bat les steaks. D'autant que vous allez voir qu'au niveau de la santé, bon déjà là j'ai ma petite trousse de sécurité, donc je sais que je suis plutôt pas mal, que je vais utiliser tout de suite, donc je suis à 100, c'est comme si on n'avait rien vu. Ok, donc ensuite. Alors on a trouvé un petit peu de poisson. Ouh, un générateur, ça c'est rare. Ça va nous servir quand on va tomber sur un ascenseur qui ne fonctionnera pas. Grosse trousse de soins, du coca. Ah putain. Ouais, parce que les mecs, le problème c'est que j'ai un peu de ferraille. Est-ce qu'avec un petit peu de ferraille, je peux faire un truc, les gars? Ouais, mais c'est pareil, il me faut du fil, j'ai pas de fil, moi. Ouais, parce que si j'utilise... J'en ai que un. Ouais, j'en ai que un. Allez, bâtard. Bon, on descend. Oh là là. Non, mais on peut pas faire ça à chaque fois, mec. T'as l'impression qu'à chaque coup qu'il met, il m'arrache la tête, quoi. Oh là là. Ça me fait une claque comme ça, mon pote. Vous devriez regarder ce son de bruitage, là, il est pas mal. Son de bruitage, évidemment, à utiliser dans le film porno. Oh non, mais je rate, mais non, mais mec. Je suis dépitude. Je suis dépitude, j'ai envie de prendre le vélo qui est derrière moi et me tirer. D'ailleurs, IRL, c'est peut-être ce que j'aurais fait. Hein. Oh putain. Ok. Vide. Je suis en facile, hein, les gars, oubliez pas. Mais là, je pense que j'avais pas 10 milliards de solutions pour m'en sortir. Alors, tu vois, ils te mettent des grandes salles comme ça. Toi, t'y crois, tu vois plein de trucs à ouvrir. Tu te dis, le mec, il a tout laissé, tu vois, avant de se tirer. Et tu repars avec quoi? De la farine, mec. Non, non, mais je peux plus me taper. Je peux plus me taper, je vous jure, je peux plus. Je vous jure, je peux plus. Là, j'ai pris une trousse. Ça m'a remis plus 53. J'aurais pas dû l'utiliser parce que ça me donnait. J'ai perdu 30 en fait de bénéfices de soins. Je fais de la merde, je fais n'importe quoi. Carte VIP, on s'en fout. Un peu de poisson. Je suis super bien en faim quoi. À la fin, j'en ai rien à foutre. Mais il me faut de la ferraille, j'ai pas le choix. Ah, je crois qu'avec la planche de mémoire, je pouvais faire un truc. Attendez. Yes. Allez. On va se crafter. Je crois que c'était quoi? Un balai serpillière, les gars. Putain de merde. Allez, hop. Donc, vous avez ici tous les différents étages, hein, par zone. Donc, on est au dernier. Alors, balai serpillière, normalement déjà... Attends, parce que le bâton tout court, il tape à 2-3. Et ensuite, avec le boost, il y a plus 1-2. Et ça, c'est à 4-6, ouais. Donc, pas besoin de discuter. Je fais ça. 5-2. Ah ouais, parce qu'en plus, j'utilisais, bah oui, du coup, le bâton pour crafter ce truc-là. Donc, forcément, c'était meilleur. Au niveau de la bouffe, on n'a pas assez de recettes, donc on peut rien faire cuire. Je vais regarder si on peut pas améliorer un des trucs ici. Absolument rien, ça fait plaisir. Je vais éviter de dépenser le moins possible les ingrédients de base comme ça, qui vont me servir dans des recettes. Allez, on progresse. Alors, des fois, on peut avoir accès à... Quand on a libéré tout un set d'ascenseurs, on peut avoir accès à des pièces beaucoup plus basses que celles où on s'est arrêté, avant de repartir à la suite VIP. Et je vous assure que parfois, ça vous amène à quelques surprises. Allez, dis-moi que t'as besoin d'un éjet... Oh, parfait! Nickel! De la ration, lait, couteau de cuisine, ok. Je pense qu'on va avoir un mec ici. Hein. Pas du tout. Alors, une pièce, les pièces vont servir... Alors, je sais pas si on en a ici. Non, il y en a pas. Mais en gros, dans les salles escaliers, donc c'est ça, les salles centrales, vous avez de temps en temps, en fond, des distributeurs de friandises, de boissons. Bref, un distributeur. Et vous allez pouvoir mettre des pièces dedans pour récupérer des friandises, des trucs à la con. Principalement de la nourriture. Hein. Allez, on progresse. Je sais pas combien de temps on en est de vidéo. C'était vraiment pour vous faire une petite présentation. Des chiffons. Le chiffon est super important. Chambre pour enfants. Ça fait un moment que j'ai pas croisé de monstre. Alors, porte verrouillée, il me faut une clé. Moi, j'ai que des cartes d'accès. Ok. Alors, tu serais en droit de te dire, ouais, non, mais dans ce cas-là, c'est plus intéressant d'éviter les combats, de descendre le plus rapidement possible et de progresser dans l'aventure. Or, pas du tout.
puisque comme on a une gestion de points de compétences et de gains de niveau, il s'avère que si tu descends trop bas dans les étages, tu vas tout simplement pas avoir le niveau suffisant pour pouvoir te taper contre les monstres. Donc c'est important de se taper contre les monstres. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre au bout de deux parties. Et là déjà je tape plus fort, donc ça fait plaisir. Donc il a 17, allez on tente un 80%, 7 de dégâts c'est pas mal. Critique évidemment. Ok nickel. On a rien chopé, on a eu que de la merde, par contre on a grimpé d'un niveau, donc ça c'est cool. On va regarder s'il n'y a pas besoin de compétences. Alors le style est 3-7, 4-6, c'est pas intéressant. Et vous voyez qu'il me faut 7 points de vitesse pour pouvoir l'améliorer, donc ça c'est cool, j'aime bien cette gestion là. Je vais tout mettre dans la force, parce que comme on a pu le voir, je suis un peu en hesse. Normalement, il faut essayer de se prendre maximum 2 coups par les monstres, pas plus. Un chariot ici, je pense qu'il y a un truc intéressant dedans. Ok, on est sur du zombie différent. Donc lui, de mémoire, il tape un petit peu plus fort que celui qu'on a vu ici. Mais je crois pas que ce soit celui qui s'enfuit, là. Et... ah si, c'est le mec au couteau. Putain, bâtard. Oh là là. Bon, voilà. Il te met un coup, j'ai récupéré une clé, j'ai récupéré de la ferraille, ça c'est bon pour moi. Donc il te met un coup et en fait il s'est barré dans les étages inférieurs. J'utilise ma clé. Alors je crois qu'on avait un truc également à l'étage 91, hein. De mémoire on avait lu un petit bouquin là-dessus. Donc je vais regarder combien, j'ai 2 de ferraille, donc ça c'est super intéressant. J'ai 12 en point de fin, donc c'est le moment de rentrer à la baraque. On rentre, on craft. Ce qu'on va faire c'est qu'on va si possible... on peut pas. J'allais vous dire améliorer la cuisine. Du coup là on va pouvoir créer un fil qui va nous servir. Qui va nous servir éventuellement pour faire un tuyau. Sur le tuyau on est sur du 1-8. Là on est sur du 4-6. Ça vaut pas le coup. Vaut mieux que j'attende d'avoir d'autres trucs débloquables. Je vais pouvoir manger ça. Je m'en fous de perdre de la vie, c'est pas le plus important. Ce que j'essaie d'éviter, c'est justement de dépenser des trucs qui rentrent dans les compositions. Par contre, des rations militaires, je sais que de mémoire, je peux pas en faire grand-chose. Là, je le bouffe, tu vois, et là, je suis super bien. Donc en fait, là, pour rien vous cacher, je suis rentré à la maison pour rien. Voilà. Allez, on redescend. Niveau 91. On est arrivé directement en dessous, et je crois que là, normalement... Attends, excuse-moi, 51 points de vie. Non, non, t'es un peu trop balèze pour moi. Attends, les mecs... Oh, il m'a fait flipper, l'enfoiré. Ok, on a trouvé de la viande crue, ça c'est cool. Chauffer, ça nous donnera de la viande cuite à plus 30. Putain, mais regarde, t'es mal maillé. Je sais que 50, je peux le mettre mal très rapidement, tu vois. Mais il faut que je mette 5 coups. Donc 6 tapes. Ouais, vas-y, vas-y, on est des ouf. On est des ouf. Oui, 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 oui. Oh, tour supplémentaire, nickel. Oh, pour rater, quoi. Encore. Oh, je fais le même bruit que lui. Ah, je crois... C'est pas une bestiole qui se décompose... Qui se... Parce que t'as des bestioles, en fait. Alors, t'as un bestiaire de 6 créatures, mais t'as des bestioles, tu les tues, et elles se transforment... Enfin, t'as une petite créature qui sort de leur corps. En gros, tu te tapes contre 2 ennemis, quoi. T'es pas bien. Allez, encore 2 coups. Mais pour faire 2 coups, faut que je tape à 7. Allez. Ah merde, je peux pas. Attends, on va tester un 50%. Yes. Nouveau message. Et tout en terrassant les esprits malins, il franchit le 81e... 85e, putain, qu'est-ce que j'ai avec les chiffres, moi. Portail menant au paradis, il fit l'offrande de la prunelle de ses yeux. Ok, de la farine, une petite pièce, rien, une trousse. Tout ça pour ça, quoi. Allez, on progresse. Alors si évidemment vous n'avez pas d'engrenage, pour réparer ces trucs-là, vous allez devoir taper dans vos points de fin, et croyez-moi que ça va coûter au moins, je pense, 15. Et en plus de ça, quand vous allez le faire, vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Donc on va éviter pour le moment, on va d'abord faire le tour, voir ce qu'il y a à côté, mais on va devoir, on n'aura pas le choix. Ouf, quoi. J'ai un balai, mec. Dans une pièce 2 mètres carrés, le truc, je le rate. Ça y est, je suis passé sous les 50%. Je crois que la grande tour de soin me permet de... 80, ça me donne. Donc ça, c'est, faut pas que j'utilise maintenant, c'est pas utile. Une nouvelle clé, un morceau de bois,
une bouteille d'eau, ça va servir à, putain, produits chimiques comme ça. Ça, c'est cool, parce que normalement, tu vois, produits chimiques, en fait, bon, je sais pas si j'ai les plans, j'ai tous les plans pour vous montrer, mais pour améliorer la cuisine, à un moment donné, il faudra qu'on ait juste ça, une pile. Et tu vois, pour créer la pile, il faut des produits chimiques, il faut des trucs chiants à faire. L'engrenage, ça va, tu vois, parce que, ah si, c'est chiant, putain, faut du fil électrique, il faut deux fils électriques, et les fils électriques pour les faire, il faut deux trucs comme ça, et ça pour le faire, il faut ça, et ça pour le faire, il faut ça, et ça. Donc tu vois, rien qu'on ait ça, déjà ça nous évite de taper dans notre bouteille d'eau, on l'a direct, on est bien. Alors attends, j'ai gagné un niveau, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer. Déjà on va se mettre à 10 et on va tout monter à 10, voilà, comme ça. On se prend pas la tête. On finit de ramasser les trucs, donc ça c'est cool, on a chopé la brique qui va nous permettre du coup, de mémoire, de crafter. Il manque un bâton, putain. De rien crafter du tout. Allez, on progresse. Ok, donc lui, je vais lui mettre deux tartines. Et à partir en courant. Oh putain, faut encore que je le touche, mec. Allez, casse-toi. Voilà. Ok. Petite pièce à côté, donc là, tu vois, c'est marqué... t'as la lumière rouge, là, qui s'active. Ou de la ferraille, ça, c'est pas mal. Tu vois, l'ascenseur, je peux pas l'utiliser tant que j'ai pas réparé le truc au-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réparer tout de suite. Voilà, tu vois, ça nous a coûté 7 points de faim. On va redescendre en bas. On va profiter des derniers points de faim qui nous restent avant de rentrer. Ah, il me faut une carte. Putain, j'ai rien, moi. Allez, on descend encore d'un étage. Nickel, un distributeur, on l'utilise. Hop. On se prend une petite noisette, évidemment, c'est ce qu'on a l'habitude de trouver dans des distributeurs. Putain, les mecs, ils auraient pas pu me mettre un Twix ou, tu vois. Petit Kinder Bueno au calme, des oignons pourris, ça fait plaisir, on nous prend pour des cons. J'ai oublié une salle en haut. Je crois que c'est une carte d'accès qu'il fallait là, ouais. Vide, bon bah écoute, on a la possibilité de faire encore. Ah merde, l'ascenseur il marche pas ici non plus. Chier. Donc lui il nous fait chier mais du début à la fin. Hein. Ok, coup critique. Allez, voilà. Petite fiole de sang de mutant, petit bâton, ça c'est cool. Donc maintenant on rentre à la maison, là faut... Oh non. Oh les bâtards. Donc là, attends, du coup ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ah, je suis dead. Enfin, je suis pas dead, mais... Ah, je peux pas rentrer à la maison, parce que pour utiliser l'ascenseur, du coup, faut 2. Ah non, faut 1. Ah ouais, mais du coup, j'ai tapé dans la santé. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Alors, au niveau des crafts, qu'est-ce qu'on pourrait s'améliorer? Donc déjà, on pourrait améliorer la cuisine, ça c'est le plus important. Direct, mon pote. Donc du coup, là, j'ai débloqué de nouvelles recettes qui vont me permettre de pouvoir, maintenant, cuire de la viande. De la viande... Attends, comment ça, de la viande frite? Ah oui, parce que j'avais deux morceaux. Voilà. Oh putain, là, je suis large en... Je suis même super large. Petite tartine au calme. Petit cocktail. Petit cocktail, pas sûr, parce que ça, moi, j'aime bien l'utiliser dans les potions de santé. Voilà. Du coup, là, il a disparu, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, faut faire gaffe, hein. Gaspillez pas tout n'importe comment. Ça, j'en ai pas. Donc ça va me permettre d'éviter d'être empoisonné. Enfin, de soigner l'empoisonnement. Et alors ici, on va essayer de faire en fonction de ce qui nous manque. Est-ce que améliorer le lit, ce serait pas mal que je fasse ça maintenant? Du coup, j'ai une porte qui est niveau 2, c'est pas ouf. Ici, je peux créer ça, mais si je crée ça, du coup, je vais perdre un en ferraille. Attendez. On va améliorer le clou. Allez, on améliore l'établi, parfait. Là, normalement... Alors, je crois qu'on a débloqué de nouvelles recettes ou... On a débloqué pas mal d'armes, donc ça, c'est cool. Alors, moi, celle que j'aime bien prendre, c'est le tuyau aiguisé. Bon, par contre, tu vois, déjà, il faut un tuyau normal. Ça, j'en ai pas. Ça, j'ai pas. Alors, tuyau normal... Il y a trop de trucs, maintenant. Pour le faire... Oh, il faut encore de la ferraille. Non, mais sérieux, les mecs. Toujours de la ferraille, quoi. On peut pas faire un tuyau en plastoc. Donc bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour une petite présentation, c'était plutôt pas mal, j'essaie de pas trop faire long non plus. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, donc ce n'est pas une série, c'est une petite vidéo détente. Et puis ça change des tout ce qui est Star Wars, Battlefront, tout ce que les gens, les youtubeurs ont l'habitude de vous montrer en ce moment. Voilà, je trouvais ce petit jeu sympa, c'est cool les jeux où tu peux y jouer que d'une main et faire autre chose de l'autre.
sans rentrer dans le porn. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, laissez un petit j'aime, un commentaire. Ciao tout le monde.